Ben, disons que je suis un gars qui se cherchait un peu dans la vie. Un manque de confiance en moi. Puis, je pensais de retrouver la joie de vivre ou la façon de vivre dans l'alcool. Moi, je croyais que Dieu existait, mais avec tout ce que j'avais fait dans la vie, pour moi, j'étais condamné, j'étais j'allais sur le bord direct. Et certaines personnes ils ont dit, t'as plus rien à perdre, essaye-le. Ça coûte rien. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne m'en cache pas, je me suis mis à genoux et j'ai demandé, j'ai dit, si vraiment tu existes, t'es là. J'ai besoin de rien. À partir de ce moment-là, j'ai senti un petit peu plus calme, un peu plus relax. J'ai commencé à fréquenter les groupes de soutien. Évidemment, j'ai réglé mon problème d'alcool. Et puis après ça, je cherchais une façon d'aller me ressourcer au moins une fois par semaine. Et c'est là que j'ai rencontré l'armée du salut. J'ai rencontré le pasteur et sa femme. Et j'ai commencé à assister aux réunions les dimanches. Ça m'a très, très emballé. Moi, qu'est-ce qui m'a apporté? Qui m'a attiré en premier, ça a été la curiosité. Deuxièmement, qu'est-ce que j'aimais de cette célébration-là? C'était la musique. Je trouvais qu'il y avait de la motivation. C'était pas des sermons à première fois qu'on m'en a parlé de cette façon-là, d'une manière que je peux avoir une relation personnelle avec lui. Sinon, j'en entendais parler à l'école comme tout le monde, dans le cours d'éducation religieuse. D'abord, à 16 ans, j'étais une adolescente hyper gênée, hyper complexée. Si j'avais pu me fondre avec le tapis, ça aurait été parfait pour moi. T'sais, je marchais dans l'école, j'avais pu fondre avec la couleur, le genre caméléon, avec la couleur des casiers, ça aurait fait mon affaire, parce que j'essayais de me faire oublier. Parce que quand on m'oublie, on a eu énormément de rejets à l'école, d'intimidation, de même, je me suis frappée dessus aussi de temps en temps, que j'ai vite appris. Dis pas ce que tu penses, dis pas comment tu te sens, c'est pas important, on veut pas le savoir. La personne que j'étais pas celle que je devais être, j'étais plus moi-même, j'étais ce que les autres voulaient que je sois, fait que j'ai renié qui j'étais, il y avait beaucoup de compromis avec qui j'étais pour pas déplaire. Et ma mère m'a un peu attirée à la compagnie à l'église en me présentant à l'église comme il y a la guitare, il y a du drum, tu vas aimer ça, c'est super le fun. Puis effectivement, j'ai super aimé ça, je suis allée, j'étais très sensible à la musique. Aux paroles des chants, puis ça vient me chercher parce que tous les chants parlaient de l'amour de Dieu, qu'il y a quelqu'un qui nous aimait, puis moi j'étais quelqu'un qui pensait que personne m'aimait. Change tout mes peines, je laisse tomber ma peur, je les abandonne pour la joie du Seigneur. J'échange mes faiblesses, je laisse tomber ma peur.